Salut tout le monde, c'est Francky de Coopération Gamer et aujourd'hui on se trouve sur Remember Me et non pas sur Pokémon Strat. Un jeu que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et ah, on a droit à la cinématique. Que j'avais jamais vu en plus je crois. Mais en passant je vais vous dire, c'est un jeu que j'ai déjà fini. Mais... le truc qui est marrant, c'est que j'ai totalement oublié le scénario du jeu. Je me souviens que j'avais aimé, enfin si je me souviens de 2-3 trucs, mais je me souviens plus du tout du gameplay, je me souviens de plus rien. Ce qui est plutôt marrant d'ailleurs pour un jeu qui s'appelle Remember Me. C'est un peu un comble. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un let's play. Et ouais, je vais laisser la cinématique. Ah ouais, mais en fait c'est tout des moments du jeu. Ah putain, ah ça rappelle déjà des trucs. Je ne souviens pas avoir descendu d'une gouttière comme ça. Ça je m'en souviens. Ça étrangement on se fait. Ah là là, je me souviens de plein de trucs. Bon voilà, passer. Ah, parce que j'ai pas envie de devenir chiant. On va tout de suite lancer la... Ah. Ah oui, les grammas, alors. Bon, moi, je suis un peu aveugle, donc on va faire comme ça, c'est bien. Attends. Ouais. Ouais. Alors, on va faire une nouvelle partie. Donc, nouvelle partie. Et... ouais, comme on n'est pas des fiottes, on va se mettre en normal. Ouais, on va se mettre en normal. On va s'acheter une paire de couilles pour changer. Parce qu'en général, j'achète un jeu, je le joue en facile. Ah, quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez. Cette première nuit où il m'a dit « Partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Je suis désolé, mais putain, ça ressemble tellement à une pub de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les Je suis désolé de vous gâcher la cinématique comme ça, mais... je sais pas si j'aurais le courage de... il fallait que je la sorte, mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à Mythique, j'ai réussi à trouver la femme de ma vie. Mon mari est encore bien vivant. Là. Je me barre tout seul, c'est incroyable. Et là. Ah oui, c'est comme ça qu'on découvre le système. Ah, le Sensen. Mais comment c'est? Attends. La société qui crée ça, je crois que c'est comme... ah voilà, Memorize. Ouais. Mais je crois que c'est des connards. Ouais, c'est eux les connards, les méchants, pardon. On va pas dire connards, ça se fait pas. Ouais. Conseil suivant. Appuyez sur A pour sauter. Je sais pas ce qui se passe mais on me fait mal. Ah oui, on... oui. Je me souviens. Les noms du sujet effacés. Sensen en attente de nouveaux contenus mémorisés. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Quoi? Nilin. Je le tourne, espèce de fils de... Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. Oh, ça braque, faut que je vois ça. On s'en bat les couilles. Je sais pas. C'est 2084. Le mec, il a le meilleur boulot de tous les temps, quand même. Hein. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Oh, puis on s'en branle. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'est après s'être pris un ulti-velcode. Dans la cinématique de LOL. Merci pour votre contribution. Dr Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Oui, docteur. C'est toi, à toi après une bonne cuite. Oh putain, mais je suis où? Tu te souviens de ton nom? Ouais, je crois. Oh le bad. Levez la tête, s'il vous plaît. Non, je lèverai pas la tête, espèce d'enfant. Ah oui, le petit tuto. Voilà, je lève la tête pour toi. Merci. Ça te plaît? Maintenant, espèce d'enfoiré. Allez, on va se déplacer. Veuillez suivre la différence jusqu'à votre prochaine affectation. Ok, je vais te suivre, mais t'as pas terre à me casser les couilles. Parce que je me sens vraiment mad. J'essaye toutes les... Wow. Wow. Ça me rappelle ma première... Ça me rappelle ma première carte. Je me souviens de rien. Sauf que comparé, moi je me souvenais de tout. Tout ce qui s'était passé. Ah. On essaye d'entrer en contact avec moi. C'est les extraterrestres qui veulent entrer en contact avec moi. Oh. Ça tombe pas, c'est pas le moment. Rien ne va. Ah, j'entends une voix. S'il vous plaît, arrêtez tout, j'entends une voix. Oh putain, c'est... les cheveux c'est bien animé les cheveux. On voit bien les petits mouvements des cheveux quand même. Mais je me souviens que je m'étais déjà marré la première fois avec ça. Pendant un bon moment d'ailleurs. Oh, attends, je trouve pas le point. Ça y est, je l'ai trouvé. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Oui, j'attendrai mon tour. Je ne prends pas la place des autres. Et dites-moi, ça m'a l'air de faire grandement mal. Qu'on est obligé de le faire. Avancez. Remarque, si je suis là, c'est que je l'ai voulu. Mais je m'en souviens plus. Non, je refuse d'avancer. Je ne veux pas. Avancez. Non, je refuse. Non, putain, j'ai avancé. Restez tranquille. Nilin, tu m'entends? Oui. C'est la tête du soupçon, c'est la tête que tu fais lorsque tu te poses avec une question existentielle. Est-ce que j'ai bien éteint mon four avant de partir? Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Je suis la voix. Ici la voix. Non, pardon, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit. Elle était vraiment mauvaise. Avancez. C'est bien. Putain, la tête qu'elle fait, c'est... C'est le soupçon. Mais... Bien qu'elle se pose mais 1 milliard de questions en même temps. Ah bah ça marche plus. Bon, on va attendre. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Ma gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton Sensen. Je le sentirai. D'accord. Je penche la tête. Pour trouver la porte. La porte passe en dessous, maintenant. Je passe en dessous. Je vais ramper. Putain, tu pouvais pas la monter plus haut. Putain. Ah, allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est presque bon. C'est bon, tu peux fermer la porte. Putain. Indiana Jones au ralenti. Waouh. La belle armure qui va me casser la bouche. Oh putain. Tu fais un bad trip et tu vois une armure comme ça, tu te dis mais attends, est-ce que c'est ça que je vais devoir me taper alors que je me sens déjà mal. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. De la manette parce que j'ai le micro à côté. Attends. Ah bah c'est bien sûr le micro. Oh putain, cours pas de traviole, cours droit. Wow. Wow. Casse pas les caisses hein, c'est du matériel, ça coûte cher. Non, casse pas tout. Prends son matériel. Ça va même une prof de cinéma. Le passage, non, pas le matériel. Tu pouvais te casser la gueule, mais non, pas le matériel. Relève-toi. Tu dois continuer. C'est vrai que je serais plutôt perplexe moi personnellement, si j'ai plus de mémoire, je m'en trouve dans un endroit et c'est déjà le bordel. Je saurais pas trop quoi faire. Honnêtement, je me serais fait baiser et j'aurais pas su. Est-ce que j'aurais suivi la voie? Ouais, j'aurais peut-être suivi. Ouais, j'aurais suivi la voie quand même, je pense. Enfin, je pense. Oh. Où suis-je? Où suis-je? Tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite. Un cercueil? Ah oui, on va faire un truc à la Pirate des Caraïbes. Je crois que c'est le Pirate des Caraïbes qui se cache dans un cercueil. Hein. Ah ouais, même qui tire sur un corbeau. Ils sont plutôt classe ces cercueils. Hein. Moi je préfère les formes traditionnelles, tu sais, hexagonales. Je crois que c'est. Je crois que c'est comme ça que ça se dit hexagonal. Attends, hexa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais hexagonal. Hexagone c'est 5. C'est 5 côtés. Non c'est des polygones. Oh putain. Ça fait un an que j'ai pas fait de maths, ça y est, je sais plus rien faire. Gros plan sur l'œil. Nilin, est-ce que ça va? Non. Ouais ça va, je suis dans un cercueil. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. T'étais le meilleur, Johnny. Tu es une terroriste. Comme un truc de mafieux, t'étais le meilleur, Johnny. Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant. C'est pas que je m'en bats les couilles, mais comment dire, porté jusqu'au stade 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Ah, ça y est, on a atterri. Remember Me. Ah, c'est en épisode, ouais, mais je crois que je vais pas les faire en épisode, je pense que je vais les faire en épisode de 30 minutes. Je pense que je vais faire en 30 minutes, ce sera déjà bien. Enfin, je verrai. On va voir au feeling, quand est-ce que je couperai. Nous, on n'y est pas, parlons pas de ce qui fâche. Ah oui, Néo-Paris, ah oui, c'est vrai qu'on est à Paris. Oh, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu, perso. En tant qu'habitant de la Cambrousse, moi c'est comme ça que je suis toujours vu Paris. Écoute, Johnny pleure. Il pleure. Ouais, c'est... Cherche les cadavres. Ah oui, je me souviens, ils cherchent leurs frères, enfin, les vivants. Frères. Voilà. Vivants. Un nouveau nous. Oui, encore un nouveau membre. Ah, oh, merde, je m'attendais tellement que ce soit moi. Non, moi ça va être derrière toi. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. J'ai peur. Perdu. Perdu. Là c'est moi qui est dedans. Ah. Ah, merci ma poule. Putain, t'es qui? L'armée-joie. Sœur. Et pourquoi pas ami? Arrêtez de m'appeler frère, s'il vous plaît. Je fais pas partie de votre famille. Je suis pas de la tribu. C'est ça? Vous me considérez pas comme un allié, c'est ça? C'est quoi le bouton pour esquiver? Ah oui, déjà. Pointer... pour effectuer une... Ah, c'est A pour esquiver. Je vais me battre avec vous. Tu dois le faire, Nilin. Ces gars te tueront. Utilise tes précènes. Alors, les menus Sensen. Ok. Oh putain. Oh, je me souviens que c'était le bordel. Ouais. Attends. Ouais, fallait assigner des touches. Oh là là. Fait que j'assigne, pardon. Et là, comme j'en ai plus, attends, vous avez construit un combo de 3 coups composé de précènes de puissance, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, je m'en souviens. C'est en gros les... Ouais. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. C'est un peu sous le même principe que Batman Arkham City et le mode de combat. Pour ceux qui ont joué. Ah oui, quand on les tuait, on prenait leur mémoire. Je crois que c'est leur mémoire. Je sais plus à quoi ça sert de les prendre en plus les mémoires. C'est qui eux? Des Leapers. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables. Espèce d'êtres misérables. J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho... Oh, le rappeur souvenir, vous allez chez là. Une excellente justification du combat terroriste. Qui est là? C'est qui? J'ai l'impression que je suis toujours perplexe en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc du coup... Aïe, ça c'est pour sauter encore. Ah oui, oh, ça, ça va m'être très utile par contre. B, on va se soigner. Mais je crois qu'on peut utiliser qu'une fois, ou autant de fois qu'on veut. Oh, je ne sais plus. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. 404 comme l'erreur. LOL. Bon, déjà il y a un truc qui vole, non ça va, c'est un ébou. Ramasseur d'ordures. Quoique c'est un peu pareil. Mais... Allez. Quoique les éboueurs ne sont pas forcément des ramasseurs d'ordures. Ils peuvent conduire la benne. On va pas être raciste envers les éboueurs, je pense pas que ça se dise, mais on va pas se moquer des éboueurs. Ils sont très utiles. Par contre j'aimerais bien... Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Histoire. Ah ouais mais je m'en bats les couilles. La seule sortie c'est par le haut. Ah on va monter si c'est la seule sortie. Et voilà. Là, ah putain, mais je suis pas appuyé sur A. Sortir du territoire des Leapers. Edge. C'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. C'est mon meilleur ami? Ah mais on va aller le voir. Si c'est mon pote alors. Ouais. Si j'arrive à voir où il faut aller, c'est quoi ça? C'est... Ah, voilà. Ça je veux. Monument de Néo-Paris. La tour Eiffel. Oh, 3 le... Oh, la viande pue. Tu... Je sais pas ce qui m'insulte. Ce qui m'a le plus choqué entre le fait qu'il m'a insulté de viande ou le fait qu'il m'ait dit que je puais. On voit la tour Eiffel, remarque, hein. Ça fait tellement plaisir d'en voir. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce. Ah, je crois que je vais... Pâté de crabe croustillant, ça me donne faim. Je viens de passer l'heure du goûter, mais ça me donne faim. Les peuples sont partout. Putain, comment il est parti à la exorciste. Viens là, toi. Ça lâche. Faut grimper, je suppose. Je suppose bien. Allez, venez vous battre. Et venez vous battre. Ouais. Un terroriste a laissé le souvenir. Oh putain, ça c'était le bordel pour les trouver. Alors ça ressemble à ça. Et en fait, il faut retrouver exactement le plan là, dans le jeu. Et ça donne des bonus, si je me souviens bien. Où sont les gens? Il doit y avoir quelqu'un ici. Alors, il faut aller par là, je suppose. Ou là. Oui, c'est par là. Pas du tout. Ah, ah, non. Faut que je vois. Bonjour, j'aime... Voilà, j'aimerais juste... Non, là, c'est de là d'où je viens. Et c'est les premières fois les plus dures. Pas de comparaison s'il vous plaît. Attends. Ah je crois que c'était le coin là en plus. Oh. Ah. Ah d'accord. Si je saute je me demande ce que ça fait. Est-ce que je me casse la gueule? Oui je me casse la gueule. Bon, la première mort, c'est pas grave, c'est pas important. C'est bon à savoir, il faut faire des erreurs, il faut être pris pour être appris, comme disait ma grand-mère. Ah ça y est, je me souviens pourquoi j'aimais pas mourir dans le jeu, c'est parce que le chargement était long. Ouais, au moins ça me règle un problème. Voilà, ça me règle un problème, c'est celui de pas savoir où aller. Maintenant, je sais où aller. Pas du tout là où je vais. Mais c'est pas possible, je peux pas être mauvais au point de pas retrouver ma route au début en 15 minutes de jeu. Ah non, 20. après. Ah putain. Oh, je suis obligé de me retaper le tuto de... Oh, où sont les gens? Il doit y avoir... Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y avait un mur pour s'accrocher là. Donc, je me suis fait baiser. Où est-ce qu'il était? Attends, il était là. Juste là. Allez, on glisse. Putain. Pourquoi j'ai lâché? Ah, oh, je vais faire un lapsus là, il y a... Enfin, un lapsus. Ah, je viens de faire un lapsus. Je vais faire une ellipse, ça c'est pas possible. Bon voilà, on se retrouve à peu près à l'endroit où est-ce qu'on était. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour effectuer un saut vers l'arrière... Ok. Ah oui, d'accord. Ah, pour enjamber le rebord. Ok. Non. Ils me veulent du mal. Waouh. Oh putain, il me reste un PV. Ah oui, je me prends un coup. D'accord. Combo lab. Ah oui, les trucs qui régènent. Ça, ça sauve les couilles, mes amis. On va se la faire comme ça. On va remplacer par ça. Ouais. Ça fait que... En gros, ça fait que quand je fais X, le premier X que je peux pas aller dessus, ça me fait un coup normal. Le deuxième X que je viens de mettre, c'est un soin. Et le troisième X, c'est un coup de poing violent. Et là, c'est un deuxième combo que je peux avoir. Et il faut absolument que je mette un X. Ensuite, je vais mettre un Y. Et je terminerai le combo plus tard. Parce que plus tard, on va avoir des combos. Enfin, des touches à assigner. Tac, tac, tac. Voilà, c'est... Oh la musique. J'ai l'habitude d'appuyer 2 fois sur la touche pour esquiver, alors je sais plus pourquoi, dans quel jeu, lorsque j'esquivais, je devais appuyer 2 fois pour esquiver. Bon, je suis en train de marteler X, c'est pas dur. Pour l'instant, les combos, ils sont pas très intéressants, j'ai pas grand chose à faire. Oh putain, la race, laisse-moi. Rachel. Je pense que je changerai un peu plus tard le combo parce que faire XXX c'est pas très intéressant. Bon, remarque, c'est le début du jeu, hein. Ça va... On va pas pleurer. Voilà. Qui en veut d'autres? Personne? Tant mieux. Parce que je suis fatigué. Bon, il faut aller. Voilà, je suppose... Non. Je ne suppose pas si bien que ça. Non, voilà. Là. Et saute, c'est bien. Saute. Descends. C'est bien. Oh, putain, en appuyant sur B, j'étais pas confiant. J'ai cru qu'elle allait lâcher et pas se reprendre à la barre du dessous. On court, on saute. C'est bien.